Et salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour vous présenter le pass de combat numéro 3 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc bien sûr on a un peu avancé avec Damien, on a eu des personnages, donc je vais vous montrer un peu. Donc j'avais 1000 V-Bucks, j'ai acheté le premier personnage, donc du coup voilà, je suis au palier 11 au total. Donc voilà, je vous montre un peu pour les personnes qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore peut-être le jeu, qui vont peut-être pouvoir le y jouer puis voir par la suite. Donc voilà, on a des personnages, on a pas mal de choses. Ils ont fait vraiment pas mal de choses Fortnite, et ça je peux leur dire vraiment félicitations, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, ça a vraiment changé et je trouve ça vraiment cool. Ils ont refait beaucoup. Donc voilà, on a des traînées de fumée quand on saute du bus, on a vraiment pas mal de choses. Donc voilà, je vous montre quand même. Donc il reste 67 jours pour le saison 3, ça se finit après, donc on a vraiment pas mal de choses. Le skin là je l'aime bien, ouais, je vous montre vite fait, d'accord, attendez, on a loupé un skin je crois, ouais, là ici, on a un skin là, voilà je vous montre, qui est vraiment bien, et le dernier c'est celui-là là. Donc on a des défis aussi, donc les défis ça vous le sait, on l'avait pas dans la passe de combat saison 2. Ça vous sert en fait à avancer plus vite dans les paliers, ça c'est vraiment intéressant. Ça, ça change rien, boutique ça n'a pas changé. Donc du coup on va vous montrer un peu, Damien vous allez pas l'entendre, mais vous allez voir, on va vous montrer un peu les changements sur la map, parce qu'on a vu il y a vraiment plein de changements. C'est bon, tu te mets prêt? Donc voilà, vous avez plusieurs défis là, donc du coup on est level 9 parce qu'on repère les levels quand c'est comme ça. Il y a pas mal de défis à faire, donc on va peut-être pas les faire tout en même temps. Mais il y a une nouvelle arme en plus, un nouveau pistolet, donc on va essayer de le trouver, j'espère de l'avoir. Et il y a eu plein de changements au niveau du graphisme sur le jeu, je le trouve vraiment cool. Franchement, l'habitude je donne pas mon avis, et là je trouve que Fortnite ils ont fait vraiment du beau travail. Je sais pas si sur PC vous avez les mêmes choses ou pas au niveau de la qualité du jeu, mais franchement là sur console c'est vraiment propre, c'est beau, il n'y a plus de bugs. Regardez un peu la qualité des bâtiments, la qualité des arbres et des trucs comme ça. La map elle a été changée, il y a pas mal de changements. Maintenant on sait où le bus il va passer, ça nous fait un trait vert juste avant de monter dans le bus, c'est vraiment assez cool. On va dans le tunnel. Oh, tu vas aller là? Bon vas-y, on va là. Oui vas-y vas-y vas-y. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Peut-être, vas-y, vas-y. Bon, vas-y. J'espère qu'on va trouver le nouveau pistolet. Oui. Allez, go, mon petit. Ah bah là, vas-y, il faut attendre. Il faut attendre. Du coup, tu vas sur laquelle maison? Vas-y, moi je vais sur le bâtiment tout ouf. Ouais, et je vais. C'est pas grave. Vas-y, au pire, moi je vais sur la. Y a pas de coffre là-haut? Non. Moi je vais là. Je te rejoins, il y a un truc sur le toit, je vais le chercher. Ça marche. Oh, il y a un nouveau pistolet, c'est bon ça. Voilà. Ah, par contre, il y a pas les armes. J'ai pas les armes dans la main. Seul truc qui bug en fait sur le jeu, c'est ça. Moi j'ai pas les armes. Ouhou, vous avez entendu le bruit de l'arme. Ça fait des dégâts. Oui oui c'est moi. Ah tu l'as entendu jusqu'à là-bas mec. Oh franchement, waouh. Il est bien, pourtant je suis loin de toi, je suis à... Je sais pas, 2-3 mètres de toi. Genre tu l'as entendu. J'ai vraiment pas fait ce point en fait, je voulais pas vraiment tirer. Hein. J'ai des petites potions si tu veux de mon côté. Ah c'est pas grave, vas-y viens. Ah oui j'avoue l'arme, wow, je pensais pas si t'allais l'entendre en fait de là-bas. Bon oui mais je me doute, mais je pensais pas t'allais l'entendre au bout de la ville. En fait c'est genre tu sais que le mec il est là, t'as de barrer vite fait. Je vais essayer de jouer cul avec ça si je peux. J'ai des petites potions si tu veux venir de mon côté, Damien. Ah ouais, je sais, je sais. Ah, il y a plein de balles. Bah, je re... bah tiens, je te laisse des choses parce que j'ai.
Ça va marcher, vas-y, viens. On est dans la zone en plus, on est très bien. Il y a plein de balles partout, je vais te les laisser. T'as pas les balles du coup pour la nouvelle arme. Oh, là, là, t'as des balles. Ici, t'as des balles. Tiens. Ils sont par terre. Il y a des balles aussi là-haut si tu veux. Ça marche. Ça marche, ça marche. Sérieusement, au niveau des graphismes, ça a changé. Il y a moins de bugs. J'ai pas de bandage. Ah oui! Bah. Si on les trouve. Ah, regarde, il y a encore un panneau là où c'est. Regarde, il y a encore un panneau où c'est marqué interdit de danser. Ah, ça bug. Ça vient de freeze un peu. Ça marche. Il y a eu une arme par terre là, je pense qu'il y en a un qui est mort. Eh, des bandages là, viens. Ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Je sais. Je sais pas, mais je me doute. C'est ça. Au sous-sol, je pense qu'il y aura du monde. Va au sous-sol. Il y a un à l'étage. On revient au sous-sol, on sait jamais. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Si t'as un piège, j'oublie pas de le mettre parce que ça peut servir. Ah, c'était loot partout en fait dans les maisons, donc tu sais pas trop. Oh, je la prends celle-là, j'aime bien. J'aime bien la petite arme là. Bah. Attends, deux minutes, laquelle? Là? Si, je crois la porte elle est ouverte à l'heure. C'était loot. Ah ouais, c'est fermé. À chaque fois tu te fais avoir. J'ai trouvé. Non. Ah bah il y en a un autre en fait, il y en a deux. Il y a deux coffres en fait. Il y a deux coffres. Tu me laisses le pistolet. Ouais, bah attends, je vais jeter ça, j'aime pas. Ça va. C'est bon, vas-y, go. Ouais, j'ai entendu. Oh non, c'est pas la nouvelle arme. Non, j'arrive pas à l'avoir, la nouvelle arme. GG. J'ai pas réussi à l'avoir, la nouvelle arme. Qui bougeait. Il y a le fusil ennemi, prends-le si tu veux. Non, c'est bon, je le fais au bandage. Laisse tomber, je laisse le. Ça va le faire. Non, c'est bon, ça va le faire. C'est quoi, c'est toi? Ok, tiens, il reste deux bandages si tu veux les prendre. Par contre, j'ai pas compris avec la nouvelle arme, j'ai pas réussi. Franchement, je l'avais pas entendu, j'étais dans la maison en fait. Ouais, ça a changé. De toute façon, on va bouger, on va pas rester là. Hein. Si, j'ai fait les bâtiments là-bas, c'était fait, c'est là où j'ai spawn. C'est là où j'ai trouvé le petit pistolet. Ça t'est fait là-bas les bâtiments. Bah, on y va, de toute façon, on se taille. Donc oui, au niveau des constructions, maintenant ça a changé, je vous préviens. Quand vous avez des constructions, par exemple vous avez du bois et vous avez plus de bois, ça vous met automatiquement sur la pierre. Et ainsi de suite aussi pour le métal. Quand vous avez plus de briques, ça vous met directement sur le métal. Ça c'est l'avantage. C'est déjà, ça va plus vite. Ça évite de chercher et tout. Il y a un truc bleu là en face de moi, viens. Ah, c'est la petite mitraillette. J'ai pris sa petite mitraillette là. J'aime bien. Mais au niveau des constructions, ça a changé. C'est vraiment classe. Et comme je vous dis, au niveau de la couleur des. J'en ai pas.
Ah, c'était une munition roquette, oui, c'est bien, mais après, il faut l'arme avec. C'est mieux. L'arme qui va avec, c'est sûr, c'est mieux. Bah, je sais pas, j'aime pas trop les dépôts là, donc on va détourner vers la montagne. On va passer par ici. Évite de casser vers les dépôts parce qu'on sait jamais si le mec il te voit de loin. Ça construit au dépôt, il y a une construction donc fais gaffe. C'est pas le dépôt mais c'est l'usine. Parce que j'aime pas. Je préfère prendre par là. Voilà, comme ça là on peut partir. Comme ça on peut partir tranquillement. Pas, je l'ai pas vu encore, non ça va. Donc oui, voilà, il y a eu plusieurs modifications. C'est pareil, quand vous mourrez, quand il y a une personne qui meurt, quand vous êtes en squad ou à duo, vous pouvez tout simplement mettre la map maintenant, c'est plus facile. Ça a été assez cool. Et Fortnite, c'est vrai, ils ont fait pas mal de changements au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Il y a un coffre de mon côté. Je vais essayer de le pas casser. Dépêche-toi, c'est long, tu vas du frac. Il est au fond du tout en principe. Non, il est là en principe. Il est là. C'est pour ça que je l'ai pas cassé. Mini potion. Ah, je le prends. Non, non, je prends celui-là par contre. Vas-y, prends. En dessous, en dessous, en dessous. Mets ton piège, mets ton piège. Même si ça sert à rien, c'est pas grave, s'il tombe, au moins on est tranquille. Ah, c'est toi qui fais ça, tu m'as fait peur. Mais non, t'as dû laisser, mec, on était planqué derrière. Ouais, mais attends, les mecs, ils vont arriver. Ils t'ont touché ou pas? Ah non, j'ai cru, j'ai cru. Non, y'a personne, je vois rien. Dehors, dehors, dehors. Il y a un dehors, là, 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 en dessous. Il saute avec le ballon, le pneu. Il va monter, je pense. Oh, il est là, il m'a fait peur. La nouvelle arme. Ouais, il m'a fait peur, le mec. Ah, il est avec la nouvelle arme. Ah, il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué. Essaye de courir et tu te planques dans les toilettes, au pire. Ouais, il m'a fait peur, le sursaut que je viens de faire, en fait. Monte avec les pneus et tu montes là-haut. Donc voilà, comme je vous disais, on peut montrer la map. Maintenant, on peut voir la map, c'est cool. On peut lui dire, par exemple, fais gaffe, la zone va arriver. Là, c'est cool, on voit vraiment la map. On voit au niveau des tapos, ça a changé à droite. Fais gaffe, par contre, à la zone qui va arriver. Ouais. Les pompes, oui, ça a été modifié, c'est pas terrible, les pompes. Oui, j'ai vu. Oui, oui, le pompe, il est pas terrible, en fait. Franchement, le pompe, il est pas terrible. C'est pas terrible le pompe. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo qu'on a fait. C'est juste pour vous montrer un peu le changement qu'ils ont fait sur Battle Royale. Qui vraiment, les skins qu'ils ont mis, le pass de combat 3 qui est sorti, je trouve vraiment assez cool. Je trouve que Fortnite, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. J'ai gagné c'est nouveau ça. On va regarder c'est quoi. Écran de chargement. Ah, c'est le chargement, d'accord. Donc voilà ce que j'ai gagné. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la nouvelle mise à jour. Moi je vous dis à très vite et salut tout le monde.